Alléluia. Shalom à toutes et à tous. Shalom, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Sion. Shalom à vous qui nous suivez depuis les réseaux sociaux. Nous sommes heureux de vous retrouver et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ce midi, par sa grâce, nous nous rassemblons à nouveau pour ensemble intercéder durant cette heure, pour ensemble le reconnaître, l'adorer, l'apprécier, pour ensemble également prier selon sa volonté. Alors que nous sommes là, alors que nous nous connectons, je veux simplement t'inviter mon frère, t'inviter ma sœur, là où tu es, à commencer à élever le nom de ton Seigneur, à commencer à apprécier la présence du Seigneur. Si quelqu'un est là et qu'il veut faire l'expérience de sa présence, qui lui dise simplement: je sais que là où je suis, oh, je ne serai jamais assez demandeur de ta présence. Alors remplis-moi de toi. Selon qu'il est écrit dans ta parole, soyez remplis continuellement de l'Esprit. Seigneur, nous en voulons plus qu'hier, nous en voulons plus qu'avant-hier, nous en voulons plus que toute la semaine dernière. Remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Et je sais qu'un frère, une sœur sont d'accord avec moi ce midi et veulent simplement exprimer le désir de leur cœur pour dire combien ils ont soif de toi, combien nous avons soif de toi. Et je veux te dire que j'ai soif de toi. Oh mon Dieu, oh mon Seigneur, j'ai soif de toi, Seigneur Jésus, j'ai soif, Seigneur, oh de toi, je veux te dire. Seigneur, ce midi, je veux te dire, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif. Oh, j'ai soif. Oh, de toi, Seigneur Jésus. Ah, j'ai soif de toi. Le prendre les roches que j'y a ramalé, brossondori a ramalé, bossé a ramalé, bossé. Seigneur, j'ai soif de toi seul, mon Dieu. J'ai soif. De toi, si c'est ton cas, dis-le-lui. J'ai soif, Seigneur, oh oui, j'ai soif. Yémane les beaux chats, y prendre les beaux séas. Seigneur Jésus, j'ai soif. Ah, yéréman les beaux séas, ma. Quelqu'un a soif et veut lui dire ici, j'ai soif de toi, Jésus, j'ai soif.
Seigneur, j'ai soif. Aïe, aramale, bossé à Jésus, j'ai soif. Oh oui, oh de toi. Plus qu'en janvier, j'ai soif. Plus qu'en février, j'ai soif, Seigneur. Plus qu'en mars, oh, j'ai soif de toi. Plus qu'en avril, aïe, les bossés à Seigneur de toi seul, j'ai soif. Aïe, arama, les bossés, arama, la boche, arababa. Jésus, j'ai soif. Irema, les bossés à aïe, reba, les bossés à y a-t-il quelqu'un pour lui dire combien il a? Oh, chakata malebro, senderi, arama, lebro, sondori, araba, lebose, araba, la barararara. Inderi, arabarara, inderi, arabarara. Seigneur, j'ai soif. Oh, chakate, ze, arabarabose, arabarabarara. Inderi, arabarara, inderi, arabarara. Oh, si, kandere, bosea. Azikate gaze koro. À ce midi j'ai soif. Bien plus qu'hier j'ai. Bien plus qu'hier. Bien plus qu'avant hier. Bien plus que la semaine dernière je sois. Esprit de Dieu je. Ah. Oh Seigneur j'ai soif. J'ai soif. Aïe, remare, bosso. Seigneur, j'ai soif. Oh, oui, j'ai soif. Na pararosa. Ni prendere rosso. Ye candele rosea. Ni prendere rossi candele aramale brosse. Enderi aramale bosse. Arabar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 a. I kandere yaramale bosse aramala bosso. Élevons-le. Dis-lui combien tu as soif. Exprime ta soif par ce soupir. Exprime ta soif par ce cri. Dis-lui Seigneur, je veux plus te voir. Seigneur, je veux mieux te voir. Oh, je veux encore plus d'expérience avec toi. Seigneur, ne t'arrête pas là où nous en sommes aujourd'hui. Emmène-moi dans tes profondeurs, je t'en supplie. Ah, j'ai soif. Ah, j'ai soif. De toi, de toi, de toi seul. Yeah, 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 révalé. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif. Oh oui, j'ai soif. Ni prendere à la malébro soya, ni prendere à la malébo se, quand à la malébo seya, aïa la malébo se, au cotori à la malébo seya, haché que te, chocoto seya, ni prendere aussi, quand à la malébro se, que te zi à la malébro seya, rabababababa. Ah, si tu as soif, exprime-le, exprime-le, exprime-le. Seigneur, j'ai soif. Yeah. Yaraba le kondori, yarama le brosse, yaraba baba. Yeba le loche, yarama rara. Seigneur, j'ai soif. Oh, j'ai soif. J'ai soif. Ah. Seigneur Jésus, j'ai soif de toi. Toi, j'ai
bosse à la balade. Ah, ah, je sois. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif de toi. Jésus, j'ai soif. Sore malebo chikanderi à la balabore à la balabarara. Ye kanderi à la mararara. Oh, ah, oh, oh, ah, Jésus, j'ai soif. J'ai soif. Ah, ah, mare no se ara mare bo se ara mare bo. Ah, re mandere yara marabo se avarara. Arre malebroso, ayara malebose, mare ara malebroso, condori ara marabroso, potose ara baba. Oh, 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 ayara marabose, ara marabose, ira bara bara rara, ayara rara, ikandele ara malebroso, toto malebroso. Mara mara bose ara mara bose ara mara bose mara rara. Li prondoro bala bose ara bara rara. I kandere bose ayere mare bose. Jésus, j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Oh Seigneur, j'ai soif. Quand nous parlons de soif, Seigneur, de quoi nous parlons? Bien-aimé, je veux simplement que tu réalises, selon qu'il est écrit dans Jean 4, verset 10, Jésus répondit à la femme. Jésus répondit à la femme. Si tu connaissais le don de Dieu, oh, le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu. Et aujourd'hui, le don de Dieu nous a été révélé selon Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don de Dieu, c'est le Fils unique. Alors Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais demandé toi-même, donne-moi à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, nous connaissons le don de Dieu. Nous savons que Jésus est notre Seigneur. Mais nous te demandons de nous remplir de l'eau vive. Parce que l'eau que tu donnes, Seigneur, c'est l'eau qui nous rassasie éternellement. C'est l'eau que nous boirons afin que nous n'ayons plus jamais soif. Alors, Seigneur, nous te supplions. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, si toi aussi tu es désireux de l'eau vive, si toi aussi tu es désireuse de l'eau vive, ma sœur, je t'en supplie, élève simplement la voix et dis à Jésus, parce qu'il est le seul qui peut donner de l'eau vive. Alors dis-lui, Jésus, j'ai soif de cette eau. Remplis mon être de cette eau. Toi le divin, toi qui t'es fait homme, toi qui es sorti du temps éternel pour entrer dans le temps limité des humains. Oh Seigneur, donne-nous cette eau à boire. Toi seul et le fort qui s'est fait tout, nous voulons boire de ton eau. Y a-t-il quelqu'un qui veut exprimer sa soif? Quelqu'un qui veut exprimer sa soif au Seigneur Jésus? Dis-lui, Seigneur, je veux plus de rencontres. Je veux plus d'expériences avec toi. Je veux augmenter ma vie de méditation. Je veux augmenter les temps de présence avec toi. Je veux augmenter mes temps de prière, mes temps de communion. N'en reste pas là où tu es. Alors si comme nous, tu n'es pas satisfait de ton niveau, élève la voix. Et dis-lui, oh, dis-lui, j'ai soif. Dis-lui, j'ai soif. Seigneur,
Donne-moi de l'eau vive. Ayara Marebosa. Ayara Marebo. Seigneur, Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif. Non, ce n'est pas un chant. C'est un désir de plus de toi. Un désir de plus de toi, plus de toi. Je veux exprimer combien je sois. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, fais-moi te connaître encore. Fais-moi te connaître plus. Seigneur, fais-moi t'expérimenter davantage. Rabarararara. Ribanderebose. Oh, j'ai soif. Dis-le avec tes propres mots. Dis-le avec tes propres mots. Juste avec la mélodie. Dis-le avec tes propres mots. Juste avec la mélodie. Rebosa. Nabrasa tabarabos. Marabos. Marebosi kanderebos. Marebosi ara marebos. Keteri ara marebos. Mar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 
Nous avons prié et ensemble nous disons très fort Amen. Nous voulons encore acclamer la présence de l'Esprit Saint. Il est là présent au milieu de nous, le Seigneur Jésus par son Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Bonjour à toutes et à tous, à vous qui nous retrouvez. Bienvenue encore à ce moment. Alors bien aimé, sans plus tarder, nous allons prier. Mais nous voulons rappeler l'esprit dans lequel le Seigneur nous conduit ce midi. Et depuis quelques temps, quelques jours, nous sommes en train de parler de comment vaincre et triompher donc de l'apostasie. Comment vaincre les astuces de l'ennemi, du diable, pour triompher de l'apostasie. Et nous avons expliqué que Jésus nous a dit que dans les derniers temps, nous serons livrés à cause de son nom devant des tribunaux d'injustice. Et nous avons donc illustré ce propos avec l'Église primitive dans Actes 4 pour dire qu'ils avaient été, ils avaient expérimenté ce tribunal d'injustice, ce tribunal de complot. Et donc on le retrouve dans Actes 4. Alors, pour des questions de temps, nous n'allons plus rappeler tout ce que nous avons vu, mais nous avons donc expliqué que Pierre et Jean avaient été interpellés donc par les chefs de ce monde, les dirigeants des nations, et nous avons expliqué les catégories des chefs par lesquels Satan passe pour déstabiliser l'Église, pour que l'Église abandonne la foi, pour que l'Église renonce à la parole authentique, pour que l'Église renonce à l'Évangile authentique. Et nous avons donc expliqué les forces spirituelles sataniques qui étaient derrière pour pousser ces chefs à déstabiliser l'Église. Nous avons donc parlé de l'esprit d'Hérode. Et ce midi, nous allons prendre une direction particulière. Dans Actes 4, verset 7, nous avons expliqué que Pierre et Jean se sont retrouvés devant une forme de conseil, une forme de tribunal d'injustice, devant le Sanhédrin. Et on les a donc interrogés pour savoir par quel pouvoir et au nom de qui ils avaient fait ces miracles, ils avaient fait ces choses. Donc dans Actes 4, verset 7, Pierre et Jean sont devant un tribunal, dis avec moi un tribunal. Et Pierre et Jean vont garder une attitude que Jésus avait prophétisée. Ils se sont rappelés que quand le maître était là avec eux, il lui avait demandé par quel signe on reconnaîtra ton avènement. Par quel signe on reconnaîtra la fin du monde. Et donc Jésus est en train de leur répondre. Et dans Marc 13 au verset 11, je lis avec la version du Semeur directement. Jésus leur dit, quand on vous amènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au même moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Matthieu 10, versets 19 à 20, reprenant le même propos du Seigneur, le dit exactement comme ceci. Je lis directement le verset 20. Matthieu 10, verset 20. Il est écrit, « Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit de votre Père parlera en vous. » Alors voilà Pierre et Jean devant un tribunal. Pierre et Jean devant un tribunal d'injustice, en train d'être accusés faussement, devant des dirigeants des nations, nous les avons détaillés. Alors Pierre et Jean, en l'occurrence, vont se souvenir de cette parole du Seigneur. Pierre et Jean vont se souvenir qu'en réalité, qu'ils ont l'esprit en eux. L'esprit en eux pour avoir l'attitude exacte pour riposter devant le tribunal de l'injustice. Dis avec moi la riposte. Alors face à cette injustice, face à cette fausse condamnation, face à cette crise, face à cette crise sanitaire, coronavirus, les économistes ont engagé des ripostes économiques, ripostes sociales, ripostes sanitaires. Bien aimé, nous aussi nous avons une riposte spirituelle. Dis avec moi la riposte. Et l'attitude de Pierre dans Acte 4 nous montre
comment il faut riposter et comment on le fait, quelle attitude il faut avoir. Alors, Jésus avait annoncé quand ça arrivera. Ne soyez pas pressés, ne vous inquiétez pas de ce qu'il faut dire. Parce que, au même moment, dites simplement ce qui vous sera donné. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint qui est en vous. Oh, l'Esprit Saint qui est venu en nous. En d'autres termes, un des buts, une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est venu en nous, habiter en nous, demeurer en nous, c'est pour nous permettre de riposter. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est l'esprit de la riposte. En d'autres termes, tant que le Saint-Esprit est sur la terre et tant qu'il est en nous, bien-aimé, il va nous aider à riposter durant les crises. Dis avec moi la riposte. Le Saint-Esprit est l'esprit de la riposte. Alors dans Marc 13, verset 11, Jésus nous montre les attitudes qu'il faut avoir. Il nous montre premièrement, il faut être calme. Il dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz. Ça veut dire gardez votre confiance en lui. Es-tu conscient que le Saint-Esprit il est en nous? On commence à vilipender l'église, on commence à attaquer l'église, on commence à attaquer les serviteurs, les oints de Dieu, on commence à attaquer les pères dans la foi. Il dit, gardez votre calme, gardez votre confiance en lui, parce qu'il est en nous. Et il dit, ne vous inquiétez pas, parce que vous ne parlerez pas de vous-même, mais vous allez recevoir des paroles. Vous allez recevoir des paroles de l'Esprit. Vous allez recevoir le discours de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en nous pour nous révéler les paroles que nous devons dire en temps de riposte, en temps de crise, en temps de fausse accusation, en temps de condamnation. Le Saint-Esprit bien-aimé, il est important pour nous, le précieux Saint-Esprit. Il est Dieu pleinement en nous. Il est important pour nous. En temps de crise, lorsque l'Église est vilipendée, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous inspire l'attitude à avoir. Alors nous voulons le reconnaître, nous voulons l'honorer encore quelques temps avant de continuer bien-aimé. Nous devons être conscients qu'il est là. Alors si tu es conscient qu'il est en toi, si tu es conscient que l'Esprit est en toi, c'est lui qui t'inspire les paroles. Il dit, sois calme, be quiet, sois simplement confiant dans sa présence. Sois simplement confiant parce qu'il est en toi mon frère, il est en moi. Alors nous voulons prendre simplement le temps de l'honorer. Oh, nous honorons ta présence. Nous t'honorons Saint-Esprit. Tu es Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es le Seigneur de la riposte. C'est toi que nous honorons. Bien-aimé, lève simplement la voix avec moi et prends le temps de commencer à honorer le Saint-Esprit. Rebo sa taba azika rebo sea marebo sha tamarabosa. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et nous voulons l'honorer. Nous voulons l'honorer. Nous voulons l'honorer. Marabosh, Ara Marabosh. Oh, j'honore l'Esprit. J'honore l'Esprit. J'honore l'Esprit. L'Esprit de Dieu. J'honore, oh, j'honore, oh oui, j'honore, l'Esprit de Dieu, oh, j'honore, Seigneur, j'honore, c'est toi que nous honorons, Seigneur. C'est toi seul, oh, l'Esprit de Dieu, j'honore, il est là en nous présent, il est venu en nous pour nous aider à riposter, il est venu en nous pour nous donner la sagesse, il est venu en nous pour nous donner le discours, j'honore, bien-aimé, honorant, j'honore. Oh Seigneur, j'honore l'Esprit de Dieu. Ce midi, j'honore. Seigneur, j'honore. C'est toi, c'est toi, c'est toi que j'honore. Seigneur, c'est toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit. Seigneur, j'honore. J'honore, j'honore, je suis de Dieu.
dernière fois, j'honore. J'honore, Seigneur, c'est toi que nous honorons. Oui, j'honore, je suis de Dieu. Nous t'honorons, Seigneur, nous honorons ta présence ce midi. Nous honorons ta présence en nous. Ah oui, tu es honoré. Merci pour ta présence en nous. Nous réalisons simplement que Dieu est en nous. Il est en nous. Et l'apôtre Paul a dit, Christ en vous, c'est-à-dire l'esprit, la plénitude de Dieu en vous, l'espérance de la gloire. Merci, merci. Bien-aimés, juste avant de continuer, nous allons juste élever la voix et rendre grâce à Dieu le Père pour le don de l'Esprit. Bien-aimés, c'est par lui que nous pouvons tout faire. C'est lui qui nous donne les capacités de triompher de l'ennemi. La Bible dit que Jésus a accompli parfaitement l'œuvre pour recevoir du Père le Saint-Esprit. Il fallait que Jésus accomplisse parfaitement l'œuvre parfaite. Pour que Jésus reçoive du Père l'Esprit et qu'il le déploie le jour de la Pentecôte sur l'Église. Merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Merci au Seigneur qui a accompli cette œuvre merveilleusement et grâce à laquelle nous avons reçu l'Esprit en nous. Bien-aimé, si tu as compris la pensée, élève simplement la voix et rends grâce à Dieu le Père. Rends grâce à Dieu le Père pour le don de l'Esprit à cause de l'œuvre de Christ accomplie parfaitement à la croix. Ratuze araba, liprateze kataba, ozi kedeba. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci de ce que tu as envoyé Jésus, ton Fils unique, et de ce qu'il a accompli parfaitement l'œuvre parfaite. Et la Bible dit, après avoir été élevé à la droite de Dieu, après avoir été élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Et c'est en recevant l'Esprit du Père que Jésus l'a déployé sur nous. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix, mais bien plus encore, merci pour le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et il est écrit dans la parole de Dieu, l'Esprit que je vous enverrai en mon nom, l'Esprit que le Père vous enverra en mon nom, nous te bénissons pour l'Esprit, au nom de Jésus. Horebos Marakataba, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous disons très fort Amen. Amen. Acclamons encore très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, soyons donc conscients que le Saint-Esprit est important pour nous. Ce n'est pas un vent. Il est ou il agit parfois comme un vent, mais ce n'est pas un vent. Ce n'est pas un feu. Même si parfois on peut le ressentir comme un feu, mais ce n'est pas un feu. Bien plus que cela, le Saint-Esprit est une personne divine. Nous voulons être conscients qu'il est en nous. Et le Saint-Esprit, la personne glorieuse et merveilleuse du Saint-Esprit, est donc venu. Parce que Dieu savait que l'Église devait être persécutée et le Saint-Esprit devait être l'acteur divin en nous pour nous inspirer. La riposte, quelqu'un dit encore avec moi, la riposte. Le Saint-Esprit, c'est donc lui qui est venu pour nous permettre de triompher des fausses accusations. Donc, nous revenons sur notre cas dans acte 4. Après ce tribunal d'accusation, vous voyez que juste au verset 8, la Bible dit qu'avant de répondre, l'apôtre Pierre, acte 4, verset 8, juste avant de répondre, il est conscient de ce que Jésus avait dit. Il ne peut pas s'acharner à dire n'importe quoi, à parler sous la chair parce qu'on l'a critiqué, parce qu'on l'accusait faussement. Non, à parler par la chair, non. La Bible dit au verset 8, alors Pierre, ça veut dire que tant qu'il n'était pas rempli de l'Esprit bien-aimé, l'apôtre Pierre ne pouvait pas agir. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Oh, quelqu'un dit avec moi, rempli du Saint-Esprit.
rempli du Saint-Esprit, leur dit. Il leur dit. Le dit là, c'est ça la riposte. Il commence à riposter. Mais il riposte inspiré par l'Esprit. Rempli de l'Esprit, comme il sait que Jésus lui avait dit, ne t'inquiète pas. Sois juste conscient que l'Esprit est en toi. Et quand tu es saisi par l'Esprit, rempli par l'Esprit, il va t'inspirer le discours. Alors Pierre, rempli de l'Esprit, Pierre va prendre la parole. La Bible dit, il dit. Ça veut dire que la riposte se fait par le Saint-Esprit. Alors bien aimé, en ce temps de crise, où on veut bouleverser l'Église, où on veut amener l'Église à abandonner la foi, où on veut accuser l'Église de toutes choses, on veut accuser ses serviteurs, paralyser ses serviteurs, pour que les âmes abandonnent la foi. Bien plus que jamais, bien aimé, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et nous sommes dans cette semaine qui annonce la Pentecôte. Les disciples ont attendu la Pentecôte dans une chambre haute. Nous aussi, nous voulons persévérer dans la prière, persévérer dans une attitude de soif et dire, Seigneur, avant de nous donner de répondre, avant de nous donner de mitrailler, remplis-nous d'abord de toi. Et comment les disciples ont fait pour que faire venir le Saint-Esprit en eux? La Bible dit qu'ils ont prié continuellement pendant 10 jours. Alors là où tu es, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 5 au verset 18, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Bien-aimés, nous allons élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit. Remplis-nous de ton Esprit. Comment on fait pour être rempli de l'Esprit? On demande à Dieu. Comment on fait pour être rempli de l'Esprit? On prie continuellement en langue. Comment on fait pour être rempli de l'Esprit? On chante continuellement en langue. Alors tu peux chanter par l'Esprit, tu peux prier par l'Esprit. Si tu n'es pas baptisé de l'Esprit, c'est le moment, bien-aimé, de demander à Dieu en cette saison. Seigneur, remplis-nous. 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 Oh, remplis-nous. Remplis-nous. Marekete Gazea. Remplis-nous. Remplis-nous. Ta plénitude. Ta plénitude. Ta plénitude. Ta plénitude. Seigneur, ta plénitude. Nous voulons ta plénitude. Nous voulons ta plénitude. Seigneur, nous voulons ta plénitude. Aïe, les beaux chakata, barre beaux. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Reba, ba, ba, ba. Reba, ba, 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 ba. Reba, ba, 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 ba. Remplis-nous. Remplis-nous. Ricote, c'est que t'es paré. Oh, ta plénitude. Ta plénitude. Louse, c'est que t'es. Seigneur, nous te prions, nous te prions. Recatoze, recatoze, ricanderebose, ramadabose, ricanderebose. Ta plénitude, ta plénitude. Oh, nous désirons ta plénitude. Ah, Seigneur, remplis, remplis-nous, 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 remplis mon frère Zakataba. Zika Tebalea, Zika Tebalea, mon frère ne t'arrête pas, demande sa plénitude, prie par l'esprit, prie par l'esprit, chante par l'esprit, et demande sa plénitude, remplis-nous, oh Yaka Tebalea, mon frère, Reka Tebalea, mon frère, Baba 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 Baba, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Oh, chaque désir, chaque désir, roubassez, raccourcissez, les papa, remplis mon frère, remplis mon frère, maintenant, remplis mon frère, il candera mon chèque kataba, aïe à mon chèque kataba, zikandere mon seya, la malé mon seya, manere mon seya, rekatoma seya, remplis-nous. La plénitude de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est sur nous maintenant. L'Esprit de Dieu nous remplit. De... au-dedans de nous, il nous remplit. Il nous remplit. Il nous remplit au-dedans de nous. Il nous remplit au-dedans de nous. Il nous remplit à
accordé. Rebos, Hayakasa Katama. Il nous remplit à déborder. Rempli à déborder. Oh, rempli à déborder. Oh, rempli à déborder. Seigneur Dieu, rempli à déborder. Rempli nos vases, rempli à déborder. Remplis-nous d'un drapeau. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous jusqu'à déborder. Remplis-nous jusqu'à déborder. Oh, bien plus qu'hier. Bien plus que la semaine dernière. Retouzea. Retouzea. Ah, nous voulons ta plénitude. Nous voulons ta plénitude. Zetouzea. Rokose kataba. Azeketeba. Ta plénitude. Ta plénitude. Rakose katamarabo. Dans Marc 13 que nous avons lu, Jésus a dit: ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Et vous avez vu que Pierre est resté calme malgré les accusations. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Mais à quoi était due la maîtrise de soi? La maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit que Pierre a manifesté ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de l'esprit. Alors que tu as prié pour sa plénitude, je prie et je déclare sur ta vie que la maîtrise de soi soit manifeste pleinement dans le nom puissant de Jésus. En ce temps de crise, en ce temps de calomnie, en ce temps de fausse condamnation, en ce temps d'injustice, que le fruit de la maîtrise de soi soit manifeste dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise amen. Amen. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors Pierre, verset 8. Pierre, alors rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël. Alors, regardez ce que Pierre va dire. Jésus a dit: ne dites rien de vous-même. Dites ce que l'Esprit va vous donner à l'instant. Donc quand l'Esprit vient en nous, qu'est-ce qu'il vient faire, bien-aimé? Qu'est-ce que l'Esprit vient faire? Il vient nous donner le discours du ciel. Et il a donné à Pierre le discours du ciel. Et il va inspirer à Pierre ce discours. Alors Pierre va dire, verset 9, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10, sachez-le tous. Ça veut dire que c'est ce que l'Esprit veut qu'on fasse savoir. Et Hérode n'aime pas ça. Pilate n'aime pas ça. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Que tous les anciens d'Israël le sachent. Que toute l'Église le sache. Que le monde entier le sache. Nous allons prêcher ce message. Il dit: c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. L'Esprit de Dieu a inspiré à Pierre le message de la crucifixion et de la résurrection, c'est-à-dire l'évangile authentique de Dieu. Que Hérode le veuille ou pas, dis avec moi: nous allons annoncer ce message. Dis avec moi: nous allons parler de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur. C'est ce que notre Père dans la foi est en train de faire. Il parle de la résurrection du Seigneur. Alors, Hérode inspire les chefs pour l'intimider, mais il ne changera pas de discours. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire: Père, par ton esprit, aide-nous à persévérer dans le message de la crucifixion et de la résurrection. Si tu as compris, bien-aimé, élevons la voix et prions. Rakuzete baraba. Rakotose aba. Père, dans le nom de Jésus, par ton esprit, nous te prions. Donne-nous de persévérer
dans le message de la crucifixion. Donne-nous de persévérer dans le message de la résurrection. C'est-à-dire l'évangile de Jésus. L'évangile. Rekatamare Bosea. Aïe Bratosea. Rakataba. Aïe Bratosea. Norobos. Marekatosea. Marekotosea. Bien-aimés, prions. Bien-aimés, prions. Prions. La riposte se fait par le Saint-Esprit. La riposte se fait par le Saint-Esprit. La riposte se fait par le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à rester sur le message. Aide-nous à rester sur le message. Nous te prions dans le nom de Jésus. Aide-nous à rester sur le message. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons amen. Bien-aimés, le Seigneur a dit, il a prophétisé, que lorsque l'Esprit vient, il veut qu'on dise le discours que l'Esprit va nous inspirer. Et quand l'Esprit vient, quand il est en nous, il nous pousse simplement à parler de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur. Quelqu'un dit encore très fort amen. Et nous avons prié, il en sera ainsi. Nous avons prié pour que les pères continuent et poursuivent ce message de la résurrection. Au nom de Jésus, nous disons encore très fort amen. Ne pas abandonner la foi, c'est rester sous la révélation de la résurrection de Christ. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que la foi qui n'est pas basée sur la résurrection du Seigneur est vaine. Ça veut dire que tu peux croire, bien-aimé, pour avoir des maisons en étage. Tu peux croire pour avoir un travail. Tu peux croire pour avoir des milliards. Mais si ta foi n'est pas basée sur la résurrection, Paul est clair. La Bible dit que nous ne serons pas enlevés. Ça veut dire qu'il faut révéler dans les derniers temps la résurrection pour que la foi du peuple, que la foi de l'Église soit bâtie et fondée sur la résurrection afin que lorsque le Seigneur reviendra, que son Église soit enlevée. Alors là aussi, nous allons prier pour dire, Père, par ton esprit, accorde-nous la grâce de fonder notre foi, de bâtir notre foi sur la résurrection de Christ. Si tu as compris, ensemble, élevons la voix et demandons à Dieu, par son esprit, qui nous aide. Par ton esprit, aide-nous à bâtir notre foi sur la résurrection. Par ton esprit, aide-nous à bâtir. Par ton esprit, aide-nous à fonder notre foi sur la résurrection de Christ. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Rekete barebos, repatosea, rikatosea. Donne-nous de bâtir notre foi sur la résurrection de Christ. Donne-nous de bâtir notre foi sur la résurrection de Christ. Oh, nous te prions dans le nom de Jésus. Que notre foi soit bâti sur la résurrection. Voilà pourquoi nous te prions. Aide-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète simplement avec moi. Père, par ton esprit, aide-nous chaque jour à bâtir, à alimenter, solidifier notre foi dans la résurrection du Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous disons amen. Amen. Bien-aimé, ce point est très important. Parce que la Bible dit dans Luc 18, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il parle de l'avènement du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il doit trouver la foi. Mais quelle est la foi qu'il doit trouver? C'est la foi qui est fondée et bâtie sur la résurrection. Et par son esprit, que sa grâce soit libérée sur chacune et chacun d'entre nous, afin que chaque jour qui passe, parce que nous sommes dans les derniers temps, que notre foi soit bâtie
sur la résurrection de Jésus. Quelqu'un dit encore très fort amen. Amen. Le Saint-Esprit a donné le discours à Pierre. Après le verset 10, il dit au verset 11, acte 4, verset 11. Il dit Jésus, il est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. L'apôtre Pierre parle sous l'inspiration de l'Esprit et il révèle devant ce tribunal de la condamnation que dans les derniers temps, nous aujourd'hui, nous devons bâtir sous une seule référence. Et cette référence est le roc, la pierre principale de l'angle. C'est sous cette pierre que nous devons bâtir. Pourquoi vous voulez qu'on bâtisse selon vos histoires? Pourquoi vous voulez qu'on bâtisse selon vos pensées? Pourquoi vous voulez qu'on bâtisse selon vos civilisations? Nous allons bâtir selon la pierre principale de l'angle, c'est-à-dire le roc qui est Christ. Si tu es d'accord avec moi, tu me dis amen. Amen. Alors tu vas voir que Hérode va inspirer les chefs, que Pilate va inspirer les chefs, les dirigeants des nations, pour détourner notre attention sur le roc, de sorte que notre vie soit bâtie sur tous les textes qui sont différents de Christ. Mais nous nous refusons. Dis avec moi, nous refusons. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Parce que la riposte qui se fait par l'Esprit, elle nous rappelle que le Christ est la pierre angulaire, c'est-à-dire le fondement sur lequel nos vies doivent être bâties. Alors nous allons prier, nous allons dire Père, dans le nom de Jésus, par ton Esprit, aide-nous à bâtir, à fonder dans ces derniers temps, dans ce dernier âge de l'Église, notre vie entière sur le Christ, notre rocher. Si tu as compris, élevons la voix et demandons à Dieu de nous aider. Ratazakataba. Reba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 . Rebabababababababa. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Aide-nous par ton esprit à bâtir sur le fondement du roc. À bâtir sur le fondement du roc. Car il n'y a pas un autre rocher sur lequel nous devons bâtir. C'est-à-dire Christ. Marébosea. Marakasaba. Reketeba. Rebabababa. Rebabababababa. Oh, aide-nous. Aide-nous par ton esprit. Aide-nous par ton esprit. Aide-nous par ton esprit. Aide-nous par ton esprit. À bâtir sous le roc. À bâtir sous le roc. Aide-nous par ton esprit. Aide-nous par ton esprit. Yere baba 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 baba. Oh, Zeketeba. Père, aide-nous. Par ton esprit à bâtir sous la référence unique, sous le fondement unique, c'est-à-dire le Christ. Nous te prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabarebose, rababababa, rebabababa, rebabababa. Nous te prions. Aide-nous. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons très fort amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de prier de manière à ce que Pierre nous a révélé comment on riposte. Première exigence, il faut être rempli de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous aide avec le discours de l'Esprit. Il nous donne le discours du ciel pour triompher dans les derniers temps. Et Pierre nous révèle premièrement que le discours des derniers temps, c'est le discours qui est basé sur Christ. La révélation de l'évangile. Christ crucifié et Christ ressuscité. Il nous révèle encore qu'on riposte en montrant que nos fondements doivent être établis sur la référence unique. Le seul fondement, parce que la Bible dit, il n'y a pas un autre fondement sur lequel nous devons bâtir, savoir Christ, notre rocher. Que quelqu'un dise encore amen. Amen. Alors, dans ce discours que l'Esprit est en train de révéler à Pierre, il lui donne un troisième argument que Pierre va révéler au verset 19. Et au verset 19 de acte 4, Pierre dit, acte 4, verset 19,
Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est-à-dire que dans les derniers temps, l'Esprit nous révèle que nous devons faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est obéir à Dieu, pas obéir aux hommes, quel que soit leur titre ou quelle que soit leur élévation. Nous restons sur la volonté de Dieu. Alors Pierre riposte avec ce discours de l'Esprit. Il dit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Mais la vérité, c'est que bien aimé, le chantage, la pression sera tellement forte que beaucoup d'églises, que beaucoup de serviteurs seront tentés d'obéir finalement aux hommes. Et c'est ça l'apostasie. C'est-à-dire qu'ils vont renoncer à la foi. Ils vont renoncer à Christ. Abandonner la foi par peur d'être persécutés. Mais dis avec moi, nous n'abandonnerons pas par sa grâce. Répète avec moi, nous n'abandonnerons pas par sa grâce. C'est pourquoi nous allons prier. Et nous allons répéter, Père, par ton esprit, aide-nous à faire ce qui est juste. Aide-nous à t'obéir et à ne pas obéir aux hommes, à ne pas céder au chantage de ceux qui sont élevés en dignité. Si tu as compris, élevons la voix et faisons cette prière. Les aide-nous. Aide-nous. Père, par ton esprit, aide-nous. Aide-nous. Je n'ai qu'un désir. Aide-nous à faire ce qui est juste. Oh, nous te prions. Je n'ai qu'un désir. C'est être juste. Être juste dans ces derniers temps. Seigneur, aide-nous à faire ce qui est juste. Aide-nous à manifester ce qui est juste. Père, nous te prions. Par ton esprit, Roko Sakaba, Rakata Barabosia, Rekete Barabosia, Librande de Bosha, Sekete Barabosia. Aide-nous, Seigneur, oui, nous te prions. Je n'ai qu'un désir, Seigneur, c'est de faire ta justice, faire ce qui est juste. Je n'ai qu'un désir. C'est faire ta justice en ces derniers temps. Je n'ai qu'un désir. Un seul désir, c'est faire ce qui est juste devant Dieu en ces derniers temps. Père, nous te prions que l'Église ne fasse que ce qui est juste devant toi. Que tes serviteurs ne fassent que ce qui est juste devant toi. Voilà pourquoi nous te prions. Par ton esprit, aide-nous. Le Saint-Esprit en nous, il est venu pour nous aider. Il est venu pour nous aider. Alors aide-nous à faire ce qui est juste. Aide-nous à ne pas renoncer. Aide-nous à ne pas abandonner la foi. Aide-nous à ne pas céder au tentage. Un seul désir, c'est de faire ce qui est juste devant toi. La catoséa, la pratoséa. Un seul désir, c'est de faire ce qui est juste. Retoséa, la pratoséa. Seigneur, nous n'avons qu'un seul désir. Un seul désir d'obéir. D'obéir. Ayaramarevos. D'obéir. C'est notre désir. Faire ce qui est juste. Je ne. Racontez Katabarabosea. Nous allons faire ce qui est juste. Rekatosea. Prata kaza kataba. Yikarebose. Ce qui est juste. Seigneur, aide-nous à rester focalisés sur ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est annoncer le Christ. Ce qui est juste, c'est publier le Christ. Ce qui est juste, c'est témoigner le Christ. Voilà pourquoi, Père, nous demandons ta grâce. Aide-nous à faire ce qui est juste et à ne pas céder à la pression, au chantage des dirigeants des nations. Faire ce qui est juste dans les derniers temps. À ne pas renoncer à toi.
Rekondere marebos. Marebos. Bien aimé, ce qui est juste. Il le précise au verset 20 et c'est notre dernier point de prière. Nous avons demandé à Dieu de nous aider par son esprit de faire ce qui est juste. Et au verset 20, il dit car, c'est-à-dire parce que, regardez l'expression de Pierre. Même la formulation de la conjugaison a tout son sens. Regardez l'expression de Pierre, acte 4, verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler. C'est-à-dire que c'est impossible qu'on n'annonce pas Christ. C'est impossible qu'on ne témoigne pas Christ. Alors faites ce que vous voulez. Tuez si vous voulez. Bombardez si vous voulez. Mais nous, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Pierre est en train de révéler que dans les derniers temps, l'Esprit vient. Pourquoi? Pour nous permettre de riposter en continuant l'œuvre de l'évangélisation. En continuant l'œuvre de l'évangélisation. Alors nous allons prier et nous allons dire à Dieu, Père, nous voulons continuer l'œuvre. Alors aide-nous, bien plus qu'avant, à témoigner le Christ, bien plus qu'avant, à engager un mouvement d'évangélisation sans précédent. Parce que nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Ça veut dire que devant le tribunal du complot et de l'injustice, je déclare que je refuse de me taire. Alors nous sommes de cette génération qui ne se taira pas. Alors si tu as compris, nous allons prier, tu vas déclarer, Père, dans le nom de Jésus, par ton esprit, aide-nous à continuer l'œuvre de l'évangélisation. Aide-nous à demeurer des témoins de Christ et qui publie l'évangile partout à travers le monde. Et devant la voix et faisant cette prière, Père aide-nous. Père aide-nous. Père aide-nous. Aïe à la bosse. Aide-nous à continuer l'œuvre. Aide-nous à continuer l'œuvre. Les katos à kataba. Les katosé. Les katosé. Les katosé. Aide-nous à continuer l'œuvre. Aide-nous à poursuivre l'œuvre. Aide-nous à poursuivre l'œuvre. Oh, nous te prions dans le nom de Jésus. Père, aide-nous par ton esprit à riposter par l'évangélisation. À riposter par l'évangélisation. Aide-nous à riposter par l'évangélisation. À riposter par l'évangélisation. Répétez-le. Aïe, Kazo, Katam. Oh, révocheur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Merci. Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous aider. Parce que Jésus a dit, quand il viendra, il vous aidera. Alors, par ton esprit, aide-nous et donne-nous la force de continuer l'œuvre, de continuer le travail d'évangélisation. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié et nous disons très fort Amen. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer, acclamer, acclamer? Bien-aimés, n'oublions pas donc la stratégie de riposte que Pierre nous a montrée. Comment on riposte spirituellement? Première exigence, il a dit selon Marc 13, verset 11, soyons calmes et en confiance en lui parce que l'Esprit est en nous et il nous révélera le discours. Donc, première exigence, nous devons être remplis de l'Esprit continuellement. Alors, comment on riposte? On riposte en restant cohérent et ferme sur le message de l'Évangile, c'est-à-dire la crucifixion et la résurrection de Jésus. Comment on riposte? On riposte en restant ferme pour bâtir nos vies sur le roc et non pas sur ce que les dirigeants des nations vont nous imposer comme loi, comme directive. Comment on riposte?
toujours avec l'esprit, on doit demeurer dans l'obéissance, on doit demeurer dans ce qui est juste. Et enfin, comment on riposte? En poursuivant l'œuvre de l'évangélisation, le témoignage de Christ mort et ressuscité. Quelqu'un dit encore très fort Amen.